Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Sadak Salam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Il faut bien préciser que Monsieur Sadak Salam, historien de l'islam contemporain. Monsieur Sadak Salam, vous avez accompagné cette émission plusieurs fois et on voit il y a des rebondissements après les surtout depuis l'affaire qui est en relation avec l'élection de monsieur de la Grande Mosquée de Paris. Comment vous voyez-vous l'évolution entre l'été et maintenant avant de parler d'autre chose, si vous le permettez? On a eu un semestre vraiment agité, marqué par des polémiques très bas étage, la bande de la mosquée qui contribue à baisser le débat au niveau du caniveau. Mais on va essayer de calmer un peu le jeu. Et le meilleur moyen, c'est de regarder ça sur la moyenne longue durée. J'ai retrouvé une très longue interview de Nicolas Sarkozy dans Le Parisien. 2 pages, en 2003, quand il a créé de toutes pièces le CFCM. Et il était très critiqué à l'époque par Michel Tribala, par exemple, une démographe spécialiste de l'immigration. Elle l'a accusé de violer la laïcité en intervenant dans la mise en place d'une instance qui se veut religieuse. Alors, lui, il a admis implicitement ses critiques, mais il a voulu énumérer les avantages de son opération. L'avantage le plus saillant à ses yeux, c'est consisté à dire que le CFCM va maintenant ouvrir, je cite, un débat entre musulmans. Débat islamo-musulman. On était en 2003, et jusqu'à ce soir, il n'y a pas de débat islamo-musulman. Et la manière de débattre du nouveau recteur, là aussi, quand vous dites élection du nouveau recteur, il n'y a pas eu d'élection. Tous les membres qui se respectent de la société d'Abous parlent de désignation et ils ont été mis devant le fait accompli. C'est une désignation, c'est un putsch, c'est un coup de force. Et la manière dont ils ont essayer de justifier ce coup de force, d'abord par la désinformation, quand ils ont fait croire que c'était béni par l'ambassadeur d'Algérie. L'ambassadeur d'Algérie a été prié d'aller exercer ses talents ailleurs à cause d'eux. Et ils ont prétendu avoir été reçus par le président, et nous avons contribué à démontrer qu'ils n'ont jamais été reçus par le président. À la présidence, après avoir profité du flottement du pouvoir algérien après l'élection du 12 décembre. Il y a beaucoup de dignitaires algériens qui ne maîtriseront jamais suffisamment le dossier complexe et confus de la société des Habous. Et comme leur désinformation n'a pas suffi, ils ont choisi une liste de tous les gens qui leur paraissaient dangereux pour leur mensonge. La désinformation, c'est le mensonge en langage courant. Ils ont payé des mercenaires de la plume pour traîner dans la boue tout ce qui leur déplaisait, y compris deux anciens directeurs du BCC, le Bureau central d'études. J'ai nommé Didier Lesquy et Chomaille. Exact. Ici, le nouveau le recteur désigné, auteur d'un putsch, lui en veut pour sa jurisprudence concernant le droit des fondations. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'actuel recteur parasité de la mosquée de Paris a été vice-président depuis le début de la FOIF, la Fondation des œuvres de l'islam en France, créée par Dominique de Villepin. Jean-Pierre Chevènement sont les deux ministres les plus respectables parce qu'ils ont fait preuve d'un volontarisme pour régler les deux grands problèmes de l'islam en France, c'est le financement et l'enseignement du cas. L'actuel recteur faisait partie des gens qui voulaient continuer à siéger dans le bureau de la FOIF, qui n'avait jamais fonctionné. Et ils ont vécu comme un casus belli la création de la FIF, Fondation de l'Islam de France, par un autre ministre respectable, M. Bernard Cazeneuve.
qui a promis au début qu'aucun membre du bureau de la foi ne siégerait dans la FIP. Mais après, le ministère a lâché du lest pour avoir la paix avec ses bureaucrates de peu de. Et ensuite, la FIP a été combattue par la mosquée de Paris, violemment, par des rumeurs. L'actuel recteur s'est présenté aux élections de la FIP pour la présider. Il a été battu à plate couture par Ralph Benchir, sur la liste des gens à injurier par les plumitifs, les mercenaires de la plume. Et bien, Ralph Benchir menace de porter plainte contre le mercenaire de la plume qui a été très vite identifié. Et certains mercenaires de la plume étaient à la table ministérielle lors de la dernière visite de l'actuel ministre à la mosquée de Paris. Ce qui montre que le chef du BCC, le conseiller au culte actuel, n'ont pas encore, moi je préfère l'hypothèse la plus favorable, ils ne sont pas au courant. Et quand ils verront que leur prédécesseur avait été traîné dans la boue par des plumitifs, des mercenaires de la plume rémunérés par des caisses noires de la GMP, je pense qu'ils réfléchiront avant de bénir ce genre d'opération. Moi, je commente, si vous voulez, cette stratégie de communication très, très archaïque et peu démocratique. Et le push du 11 janvier, il est navrant, parce qu'au bout d'un demi-siècle d'organisation de l'islam, et après le volontarisme de plusieurs ministres, comme Sarkozy, Chevènement, etc., malgré tout ça, les règles élémentaires de la démocratie n'ont pas encore fait leur entrée dans des instances islamiques prestigieuses, mais paralysées comme la grande mosquée de Paris. C'est ça qui est le plus navrant. Quand on réunit une assemblée annuelle régulière de la société des Habous avec un ordre du jour anodin, puis à la fin de la réunion de 2 heures, on dit « Ah oui, mais le recteur a oublié de vous annoncer la démission », c'est ridicule. La succession du recteur devrait faire l'objet d'une réunion extraordinaire dont l'ordre du jour doit être annoncé à l'avance, et pas par des faits accomplis comme ça. Alors, il ne faut plus parler d'élection. Fidel parle de direction fausse de la GMP. Alors maintenant, ils ont changé de fusil d'épaule et ils ont eu recours au selfie. Justement, c'est Sadr Salam, si vous me permettez, ma première question, c'était une introduction par rapport au vif du sujet, le vif de cette intervention de ce jour. La thématique qui a été choisie, gesticulation médiatique, selfie et déficit de légitimité religieuse. Le déficit de légitimité religieuse, vous venez de le démontrer à travers ce putsch de mois de janvier. Là, c'est un déficit de légalité. C'est illégal. Maintenant, la légitimité. L'illégitimité religieuse a été reconnue par le recteur de la mosquée de Paris dans son bavardage dans le soir d'Algérie il y a 10 jours. Il a dit, non politique. On n'a pas à me reprocher mes incompétences théologiques puisque je suis un homme politique. Et ce matin sur RTL, il faut rediffuser ça pour voir comment ce monsieur a une confusion mentale et qu'il n'est pas cartésien pour un tout. Quand on est cartésien, on évite de dire une chose et son contraire en quelques minutes. Et il a dit, je ne suis pas un homme politique. Je ne sais pas si vous l'avez écouté ce matin. Oui, là, j'ai écouté justement, on va revenir sur cette intervention. Oui, mais bon, cette intervention, il faut remarquer qu'il n'a pas cité le ministre. Il a honoré sa visite la semaine dernière. Il n'a cité que Nicolas Sarkozy. Donc il continue à dire qu'il est l'ami. Alors, Sarkozy a des ambitions planétaires depuis l'adolescence. Je ne le vois pas choisir un ami aussi médiocre, intellectuellement. Il a été son agent électoral, il a servi ses destins, le ministre de l'Intérieur qui a agité le 7e pour avoir faire le plein de voix des musulmans naïfs. Et puis c'est tout. Mais là, il faut que nos auditeurs sache que quand Nicolas Sarkozy est revenu pour une couscous partie à la mosquée en 2013 après sa débâcle, il a eu très peu d'exigences. La principale, je ne veux plus voir celui qui se dit mon ami, l'avocat Yon. Alors c'est une drôle d'amitié.
Or, il a, le, Nicolas Sarkozy a été invité à un couscous party en février. En février dernier, parce que le conscient de son déficit de légitimité, de sa contestation par le petit personnel même de la mosquée, par tous les membres de la société d'Arabous en dehors de la, des deux ou trois secrétaires, du chauffeur, du recteur, qui est le beau-frère du caporal, et d'une secrétaire du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie. Quand on nous dit, j'ai pas fait, parce que après nos émissions, moi j'ai eu une averse de révélations, je peux pas les, je suis en train de l'éclater, parce qu'il faut vérifier, mais même si c'est à l'état de rumeur, il faut le dire. On nous apprend qu'une des membres de la société des Habous est une vice-secrétaire du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie, dont le chef, le colonel, est en prison à cause des cibles de la mosquée. Voilà ce qui est. Ce matin, il n'était pas très à l'aise au son de sa voix. Et quand il nous dit qu'il n'est pas un homme politique, mais que néanmoins, qu'il prévoit de se déplacer, je cite, avec les imams, c'est devenu, il emploie le possessif C'est ça. pour faire un tour de France avec Xavier Emmanuelli. Quel rapport? Xavier Emmanuelli, c'est le SAMU social. Et il a dit, moi, je vais accompagner Xavier Emmanuelli pour prêcher la vraie religion. Il faut s'arrêter sur cette formule. C'est quoi la vraie religion? Quelqu'un qui, il y a une semaine, reconnaissait son ignorance, son illettrisme total en matière religieuse, et maintenant, donc c'est par la grâce de la visite ministérielle qu'il a découvert la vraie religion. Alors, le ministre est le premier à se souvenir des définitions de la laïcité qui font que l'État laïque est théologiquement incompétent. Donc, voilà quelqu'un qui ignore ce qu'est la laïcité, et quand il dit qu'il prêche la vraie religion, après avoir dit que nous sommes dans une démocratie où on a le droit de dire ce qu'on veut, il prétend savoir ce qu'est la vraie religion. Il va dénoncer, voire excommunier, les gens qui s'écarteraient, selon son calcul à lui, de la vraie religion. Alors, où est la liberté d'expression qui venait de prêcher une minute et demie auparavant quand il a dit. Nous sommes dans un pays où on a le droit de dire ce qu'on veut. Exact. Un musulman qui n'est pas d'accord avec, parce que ça, la vraie religion pour lui, c'est quoi? La vraie religion, elle est définie par l'Association nationale des Zaouïas, créée par l'Arbi Belkhir en 1992, en concertation avec des services français connus, qui disaient, faites monter le néo-maraboutisme de votre côté, nous vous mettons des relations avec des familles philosophiques, spirituelles en Europe, et cette alliance va combattre ce qu'il appelle encore l'islam politique, dont il ne connaît pas la définition. Déjà à cette époque, cette idée-là était une imbécillité totale. Tous les islamologues le disaient. C'est pas en entretenant la zizanie dans les mosquées, en disant allez vers le soufisme et votez pour nous aux élections, tout corrompu que nous sommes, etc. C'était totalement faux. Donc, lui, il va, il est kafiri. Les gens qui excommunient ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Quand il dit la vraie religion, ça c'est le début du kafiri. Il faut qu'il médite et qu'il réfléchisse 7 fois avant de dire n'importe quoi. Monsieur Sadr Salam, même dans cette interview chez nos confrères de RTL, il y a eu une question qui était assez importante, comme sa position, la position de M. Hafiz, sur l'histoire de Charlie Hebdo, qui a changé entre les deux événements. Il a le droit aussi de s'exprimer comme on veut, sachant qu'il a déjà porté plainte sur cette affaire. Il a perdu. Il a perdu à l'époque. Mais là il profite de l'amnésie de la journaliste à l'époque, je ne sais pas quel âge elle avait. Mais non seulement il a été l'avocat contre Charlie, mais il a milité ardemment pour que le Parlement français, démocratique, laïque, promulgue et vote une loi anti-blasphème. Là, il faut interroger le CRIF, parce que je me souviens très bien d'un colloque organisé par Dalil Boubacar et le président du CRIF, où le CRIF a fait venir une brochette de chercheurs, d'intellos, d'avocats, et quand Dalil a vu que l'avocat ne faisait pas le poids, il m'a demandé de venir parler. Il y avait Gomme, à l'époque, qui était, je crois, au central des cultes, ou même conseiller au culte, membre du cabinet, il y avait Bernard Godard, il y avait
tout le monde, et on a le PV de cette réunion au CRI, parce qu'ils sont beaucoup plus disciplinés que le préposé à la communication là, de la Grande Mosquée de Paris, qui a été limogé par l'avocat Yon. Il a fait un plaidoyer, mais vraiment un charabia inaudible, en faveur de l'adoption d'une loi anti-blasphème. Et là, moi, j'ai compris immédiatement, parce qu'il est l'ami de Béchari. Béchari lui a dit, il y a quelques millions de pétrodollars, au Qatar notamment, pour financer ces campagnes-là. Et il est totalement ridicule. Ce matin, il était ridicule aux yeux des gens qui se souviennent de son militantisme ardent pour une loi anti-blasphème. Donc ce monsieur n'a absolument... L'intégration en France, c'est adopter l'esprit français. L'esprit français, c'est être un peu cartésien, qui a envie de dire une chose et son contraire en 3 minutes. Or, il faut rappeler, et les journalistes, parce que les chroniqueurs religieux, bon, la plupart, moi je ne leur jette pas la pierre, font de journalisme d'attaché de presse, mais il faut leur rappeler que ce monsieur a milité pour la loi anti-blasphème, pour des raisons purement financières. Et maintenant, il se lance dans cette croisade là pour faire de l'enfumage total et pour faire oublier les problèmes essentiels de la manière tout à fait illégale dont il est arrivé à la tête de la mosquée et sa manque total de légitimité religieuse. Nous lui avons reproché ici même, et moi dans un de mes articles, dans le quotidien d'Algérie, où il ne peut pas publier, parce qu'il ne peut pas les acheter. Nous savons que la traduction de son bavardage dans le Soir d'Algérie a été publiée dans le Rabban, un journal arabophone algérien, moyennant, d'après les informations avérées, 15 millions de là-bas. Donc voilà quelqu'un qui a le sens du débat, qui veut soudoyer la presse. Il est incapable de faire passer des points de vue. Il y a Le Monde, il y a Le Figaro. Il ne publie pas. D'ailleurs, s'il a trouvé refuge médiatique dans le Soir d'Algérie, c'est qu'au bout d'un semestre, il n'a pas réussi à se faire publier. Qu'est-ce qui l'empêche de rassembler toutes ses idées et de les proposer au Monde? Le Monde n'a pas besoin qu'on lui verse de l'argent. Si c'est bien écrit, bien argumenté, même s'il y a un désaccord, il publie. Ces nouveaux communicants sont incapables, se sont montrés incapables de publier quoi que ce soit de cohérent dans les médias français, où il y a quand même un certain nombre d'exigences intellectuelles et morales. Donc ils se réfugient dans l'usage des caisses noires, parce que les lecteurs attentifs dans le Khabar ont vu que c'est une page de publicité, c'est pas un article de libre opinion. Et ça rajoute à son sens du débat. Il se dit ami de Sarkozy et il n'a pas fait, il n'a pas levé le petit doigt pour appliquer la consigne tout à fait acceptable de Sarkozy, ouvrir un débat islamo-musulman. Ça remonte à 2003 et ce monsieur l'ignore. Et moi, je ne le crois pas quand il dit qu'il est l'ami de Sarkozy. Parce que Sarkozy est suffisamment avisé politiquement pour, à mon avis, ce monsieur dessert Sarkozy quand il se réclame de cette amitié où il faut mettre toutes sortes de limites. Bah écoutez, le temps le dira hein, par rapport à cette affaire, sachant que simplement il y avait cette sortie médiatique aussi de taille de l'avocat Hafiz lors de la grande fête hein, de mois de Ramadan, de l'Eid, et là où il a menacé de porter plainte contre l'État français. Ah ben oui, tout le monde a compris qu'il convoitait les collectes de la fête de l'Aïd et Kébir. Et là, il faut comparer avec le grand rabbin. Le grand rabbin qui a demandé à l'État de différer le déconfinement parce qu'il dit, je ne veux pas prendre la responsabilité d'une contamination de mes fidèles qui viennent à la synagogue et en sortiraient malades. Au lieu de s'inspirer de cela, il menace de porter plainte parce qu'il miser sur les collectes de la fin du Ramadan. Il a été ridicule à ce moment-là. Vous savez, Agnès Buzyn, l'actuel, j'ai oublié son nom, Philippe, etc., ils consultent le comité scientifique, ils consultent les experts, les députés, et puis ils choisissent une date si mal. Or,
lui, il ne voyait que l'avantage financier. Et là, il monte sur. Et ça fait rire dans les mosquées, où on ne le prend pas sérieux du tout. Parce que déjà, dans le Figaro, il a fait une déclaration, parce qu'on le prenait pour un grand théologien. Après, le Figaro n'est plus revenu vers lui. Le Figaro a choisi un seul titre, je me souviens, de son laus. Il a dit, les fidèles peuvent avoir un geste de solidarité à caractère financier. Donc, c'est quelqu'un pour qui les mosquées servent d'abord à faire la quête. La prière, ça ne l'intéresse pas. D'abord, tout le monde sait qu'il ne sait pas prier. Il va au premier rang le vendredi pour qu'on le voie. Tout le monde sait que sa sensibilité religieuse est très faible et sa légitimité religieuse nulle. Et ça ne se règle pas par des couscous partis ministériels. Moi, je ne commente pas les décisions d'une ministre, ce monsieur, quand il a menti au nom des Algériens, quand du côté algérien, on lui a signifié qu'il n'a pas d'appui, et les gens qui l'ont, les sous-fifres de l'ambassade qui l'ont appuyé, il y en a qui sont en fuite ou en prison. Et il faut signaler la colère des étudiants et des enseignants de l'Institut, qui ont été maltraités par le caporal, qui s'autoproclame directeur de l'Institut, alors qu'il ne sait pas écrire une lettre sans faute, ni en arabe, ni en français. Il est comme son maître Toufir, tout que quand il a écrit une lettre tout seul, ça a fait éclater de rire la terre entière. Alors il leur dit, moi je ne parle que français, et puis il leur dit, votre niveau est bas, maintenant vous avez un deuxième syndicat d'étudiants qui proteste, qui réclame le remboursement des droits, parce que ce monsieur a fermé l'Institut à la mi-mars, mais il ne s'est pas avisé d'organiser un téléenseignement. Les gens réclament. Ensuite, il y a le problème des faux diplômes. Il y en a une dizaine. Le premier diplôme faux a été décerné à une dame, elle personnellement peut-être respectable, mais son mari l'est beaucoup moins. Qui voulait, c'est le caporal, hein, l'homme fort, qui prétend donner des ordres au recteur. Au petit personnel, il leur dit, le vrai recteur, c'est moi. Et le petit personnel, dès qu'ils arrivent à la place Monge, le soir, ils répètent ce qu'ils ont entendu. Qu'il lui signe des faux diplômes pour un de ses informateurs dans la région lyonnaise, qu'il a réussi à nommer aumônier militaire, et pour son épouse. Il s'est contenté d'un poste d'aumônière hospitalière, mais qui n'a pas réussi à nommer aumônière militaire, d'où la hargne des deux hommes forts de la mosquée contre l'aumônerie militaire. Et là, je voulais, quand on relie ça à son bavardage sur l'islam politique, il sait pas ce que c'est que l'islam politique. L'islam politique est au pouvoir en Tunisie. Ce sont d'ex-islamistes qui étaient fâchés avec la démocratie, mais qui se sont convertis réellement et mieux que lui à la démocratie. C'est le parti Nahda. Donc si, heureusement que la ministre de la Défense a interdit toute cérémonie à la mosquée où seraient représentés les aumôniers militaires. Sinon, il lui aurait recommandé, il l'aurait dressé contre l'islam politique, il l'aurait amené à déclarer la guerre aux pays musulmans où l'islam politique est au pouvoir, la Tunisie et la Turquie. Donc c'est un irresponsable. Alors quand il dit nous sommes dans un pays où on peut dire tout ce qu'on veut, un musulman né ici, il peut adhérer à certaines thèses pacifiques de l'islam politique, surtout les thèses des islamistes qui deviennent des musulmans démocrates. Alors à quel titre? Lui, il les exclut du bénéfice de cette liberté absolue d'expression. Il ne sait pas ce qu'il dit, ce monsieur. Il a une confusion mentale. J'ai reçu ce matin un SMS que j'ai transféré de quelqu'un qui l'a écouté. Il m'a dit il a besoin d'une psychanalyse, ce monsieur, pour qu'il mette de l'ordre. Il a le divan. D'ailleurs, parmi le staff qu'il a amené pour le Conseil des sciences et de la culture, il y a des psychanalystes qui peuvent lui être utiles pour qu'il mette un peu d'ordre dans sa confusion mentale. J'ai reçu d'autres. Je ne vais pas faire état de toutes les révélations que j'ai eu depuis nos dernières émissions, mais la plus importante, c'est un imam des Hauts-de-Seine qui m'a même invité dans un dîner. C'est la première fois de ma vie
où un dîner d'imam se termine par une prière contre Dawa. Ce n'est pas Dua, ni Dei Ali. Ya Latif. Ce n'est pas Dawa. Ya Latif. C'est une prière de malédiction contre le DG de la mosquée et contre le recteur Fantoche, les imams qui ont de très bonnes relations avec les autorités locales. Ils en sont reconnaissants pour calmer le jeu, encadrer les jeunes. Ils ont dit, la liberté d'expression, personne n'a le droit de la contester, mais un responsable religieux, son premier mouvement, c'est de réclamer un équilibre, une conciliation entre la liberté d'expression et le respect de la dignité des croyants. Donc ce monsieur se disqualifie pour de bon quand il renonce définitivement au respect de la dignité des croyants. Il montre que sa sensibilité religieuse est nulle. Et l'autre révélation, c'est que cet imam m'a dit, le caporal, l'assisté inspecteur des imams, a proposé une forte somme, entre 10 000 et 15 000 euros, à un des responsables de l'association pour qu'il rédige un rapport de délation mensongère pouvant justifier son renvoi en Algérie. Et ce responsable, qui s'appelle Khayruddin, qui est un médecin, qui est honnête et qui est contre le mensonge, a été alerté, cet imam, qui a maintenant la protection de la sous-préfecture, de la mairie et d'autres services avec lesquels il a de très bonnes relations. Et ce monsieur fonctionne au bakchich pour faire rédiger des rapports de délation mensongère de manière à envoyer un cousin de sa femme à sa place pour le détacher d'Algérie. Parce que la belle famille du caporal, ils sont au moins quatre représentés à la mosquée de Paris. Les judiciaires, il n'y en avait que trois. Il y avait Dalil, il y avait celui qui le préposait à la viande halal et le directeur de l'institut. Maintenant, les Ben Bouzid, il y en a au moins quatre, sinon cinq. Donc, on a un cas de népotisme avéré avec usage de caisses noires pour salir des imams chez qui il doit aller apprendre la religion, qu'il ignorera jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà où on en est, des gens qui sont très vont plus à la mosquée de Paris. J'ai été invité la dernière fois, j'étais vraiment très étonné de voir cette réunion se terminer par une prière de malédiction contre ces deux bureaucrates de peu de foi. Monsieur Sadr Sallam, avec tous ces éléments que vous avez évoqués et que nous avons évoqués à plusieurs reprises, l'État algérien, principal bailleur de fonds pour la Grande Mosquée de Paris, agit lentement. Comment vous expliquez cette lenteur? Non, il ne faut pas oublier que l'État algérien a sanctionné l'ambassadeur, il a invité à exercer ses talents ailleurs, à cause de cette banque. Parce que lui, l'État peut sévir très rapidement parce qu'il appartient à une hiérarchie, c'est la diplomatie. Il y a trois colonels, dont deux sont en prison, qui ont été sanctionnés à cause d'eux, parce qu'ils appartiennent à une hiérarchie militaire. Or, ces deux-là n'appartiennent à aucune hiérarchie qui dépend de l'État algérien. Ils se réclament de la société des Habous, qui est financée par l'Algérie. Et donc, toute sanction contre ces types-là est fatalement d'une lenteur qui nous déçoit. Mais il n'y a pas... ça peut se régler par une concertation entre les deux pays pour dire... il faut d'abord tenir compte des fidèles. On m'a dit que le ministre de l'Intérieur, qui est arrivé à 8h du matin, a visité la salle de prière. Ça aurait été excellent s'il l'avait visité au moment de la prière de l'après-midi. Ça aurait été considéré comme un signe de considération pour la communauté des fidèles. Mais pas seulement pour ces deux fantoches qui souffrent d'un déficit de légitimité. Il y a un seul qui a dérangé à la règle, c'est Jean-Marc Ayrault, quand il était Premier ministre. Il est venu le jour de l'Aïd el-Kébir, au moment de la prière ce matin. Et il a beaucoup étonné d'Ali Boubacar quand il lui a dit « Je veux aller saluer les fidèles ». Il était encore dans la salle de prière. Et Boubacar a été obligé de prendre sa canne. Et le caporal l'a pris par la main. C'était une occasion pour lui de se faire filmer en train de tenir le Dalil pour qu'il ne tombe pas, et il considérait que chaque apparition à la télé était le signe d'une approbation de toute la laïcité française à ses agissements. Or,
Le ministre actuel, il a fait un pas positif, mais il a visité la salle de prière vide. Bon, s'il veut transmettre un message à la communauté musulmane, la mosquée, qui évidemment est un lieu emblématique, mais il vaut mieux s'adresser à la communauté des fidèles, les milliers qui viennent le vendredi. Or, il s'est adressé à une vingtaine d'imams, dont la plupart vont rentrer dans leur douar en Algérie à la fin du mois, et il y a 2600 imams en France, si on veut leur expliquer ce qu'est le séparatisme. Moi, je sais pas ce que c'est le séparatisme. Le séparatisme a été choisi par Macron pour de bonnes raisons. Il a dit, je ne veux pas utiliser le mot communautarisme, avec l'air de dire que le communautarisme en soi n'est pas créer le séparatisme à la place. Le séparatisme, les historiens que le président Macron consulte régulièrement, mais mieux que beaucoup de féministes, peuvent lui apprendre ce que désignait le séparatisme du temps de l'Algérie française. Quelqu'un qu'on verra à tabac, qui était député à l'Assemblée nationale, au Conseil de l'Union française, etc., dès qu'il s'est mis à réclamer un État algérien associé, etc., souveraineté limitée, on l'a appelé séparatiste. Enfin, tout le monde sait qu'il n'était pas dangereux, ce n'était pas un radical. Donc, quand il y a un glissement de sens comme ça pose un problème. Il vaut mieux choisir une autre terminologie. Monsieur Sartzlem, comme vous le savez, Monsieur Didier Liski a été traîné dans la boue dans le cadre de ce site et ce groupe de personnes qui ont attaqué tous les gens qui essayent de parler de vérité par rapport à l'islam en France, et notamment ce qui se passe à la Grande Mosquée de Paris. Comment vous expliquez cet acharnement et cette haine bleue envers un commis de l'État, Monsieur Didier Liski? Eh bien, il y a au moins deux raisons. C'est que Liski a eu le courage d'écrire un livre qui s'appelle Misère au pluriel de l'islam en France, ou de France. Et en parlant de cette médiocre émission islamique, qui est produite par une association intitulée Vivre l'islam, il a intitulé entre guillemets Vivre de l'islam. Il a dit c'est des gens qui vivent de l'islam et ils font croire qu'ils vivent pour l'islam. Or, Vivre l'islam est présidé depuis 20 ans par l'actuel recteur fantoche de la Grande Mosquée, où il a été imposé par Nicolas Sarkozy. Et ce genre d'interventionnisme n'arrive qu'aux musulmans. Mais Nicolas Sarkozy n'aurait jamais imposé le responsable à Bible ouverte ou le jour du Seigneur des catholiques. Ça n'arrive qu'aux musulmans. Et le transfert des prérogatives dont disposait quelqu'un qui s'appelait Ahmed Baba Mishke, qui était un Mauritanien, mais militant du Polisario. Il avait été imposé à cette émission par un précédent conseiller de Pierre Joxe, qui est un militant pour le Polisario aussi. Et il a accumulé les avantages au point d'avoir l'équivalent à l'époque, on était du temps. Non, il est parti du champ de l'euro, il avait à peu près 5 000 euros par mois. Et la négociation avec Baba Mishke, qui est parti conseiller un président mauritanien, qui a fait un putsch, c'était son ami, bon, ce qui montre aussi, quand on parle de séparer le politique du religieux, on a placé à la tête d'une émission supposée rester religieuse quelqu'un qui était en rapport avec des militaires putschistes en Mauritanie. Bref, la négociation pour la remise des prérogatives de Baba Mishke à Djeloul Begora et au président de Vivre de l'Islam a été chapeautée par le bureau du DRS de l'ambassade d'Algérie. Ça, on le savait à l'époque, jusqu'à ce que M. Djeloul Begora vende la mèche quand il a invité le général Touati, Ali Haroun et les gens qui étaient dénoncés en Algérie pour avoir manipulé et créé de faux GIA. Ils ne pouvaient même pas se défendre sur les chaînes satellitaires algériennes. Djeloul Begora et le président de Vive l'Islam leur ont offert l'asile médiatique pour venir parler en mai 2016 dans une émission. Il devrait entretenir les convictions de l'islam familial. Elle a été transformée en tribune de propagande pour des gens qui se défendaient même pas
en Algérie quand ils ont été dénoncés. Alors, donc, vive l'islam et vivre de l'islam, il lui en veut d'avoir utilisé ça. Deuxièmement, au moment de la création de la FIF, c'est l'ESKI qui a été consulté, c'est quand même un conseiller d'État qui connaît le droit. C'est l'ESKI qui a trouvé l'alinéa N de tel article du CFCM qui a permis d'exclure Mohamed Béchari après la visite de Sidi El-Massi à Sarkozy. Sidi El-Massi était le nouvel ambassadeur du Maroc. Oui. Qui est venu, sur ordre du cabinet royal, dire au ministère de l'Intérieur on ne veut plus de Béchari. Et c'est l'ESKI qui a trouvé une justification légale tout à fait acceptable. Béchari est venu pleurnicher. Il m'a dit aide-moi à répondre. Je lui ai dit non, un conseiller d'État, moi, je n'ai pas à lui répliquer. Et M. Sidi El-Massi a été voir Dalil Boubacar en personne. Il lui a dit Sa Majesté vous dit de ne plus recevoir Béchari. Alors, la réaction de Dalil Boubacar a été, a été très amusante. Il lui a dit mais il a les protections de la JED et des services de renseignement. Il lui dit non, je vous donne leur numéro à l'ambassade, ils ne le reçoivent plus. Bon. Les réactions de Dalil étaient plus intelligentes que celles de son successeur. Parce que Dalil, à l'époque, Jawida Jazarli, Souhaïb Bachir l'ont dénoncé au Figaro. Il y avait une journaliste qui les écoutait. Ils lui ont dit il ne connaît pas la théologie. La réaction de Dalil a été infiniment plus intelligente que celle de l'avocat. Il a dit oui, le prophète n'était pas un théologien non plus. Il a même ajouté on l'appelait Nabi l'Ummi, l'illettré, comme si le prophète prêchait l'inculture et l'illettrisme. Mais enfin, ça reposait sur quelques points de connaissance de la Sira et du Coran. Ce n'est pas le cas de l'actuel. Quand on lui a dit qu'il ne connaît pas de la religion, il a dit « je suis un homme politique ». Et ce matin, il a dit « je ne suis pas un homme politique ». Avant la semaine, il va dire autre chose. Alors voilà. Donc c'est un type qui a une confusion mentale, qui est aux abois, parce qu'il sait qu'il est du côté algérien, il n'a pas de soutien. Et il veut gesticuler par les selfies, par les photos avec l'ambassadeur, par la visite ministérielle. À mon avis, la visite ministérielle, je pense que ceux qui ont organisé la visite ministérielle de la semaine dernière auraient dû se renseigner pour savoir que le ministère de la Défense interdit toute célébration à la mosquée de Paris à cause des mufleries du caporal au moment de l'organisation de la... l'exposition sur les soldats musulmans dans l'armée française. L'exposition devait durer 2 mois à la mosquée. Elle a pris fin le soir même à cause de l'impolitesse du caporal qui a donné des coups de pied au panneau là, sur une catégorie de soldats. Et puis maintenant, on peut ajouter la prétention de l'avocat de nommer lui-même les aumôniers militaires, après avoir saboté avec l'aide du caporal un accord signé par Dalil Boubacar lui-même avec le ministère de la Défense pour que l'Institut Razali forme les aumôniers militaires. Eux, élever le niveau. Et ils l'ont saboté, ils ont manipulé Boubacar. Il est revenu aux oreilles de l'avocat que le ministère de la Justice s'est inspiré du modèle de l'aumônerie militaire pour former des aumôniers de prison, avec un budget évalué à 1 600 000. Et qu'il a entendu parler de ça, il a envoyé un des Turcs, qui est payé illégalement par lui, du budget de Vive l'Islam, c'est l'ancien chef de l'Islam turc, c'est pas Ogras, j'ai oublié son nom. Il a été demandé à l'aumônier militaire d'intervenir pour qu'on lui confie la gestion du budget pour la formation des aumôniers. C'est des gens qui fonctionnent depuis la création de la FOIF, avec là où il y a de l'argent, ils sont attirés. Ils veulent avoir le contrôle. Et sans parler de la campagne indigne et inouïe contre la FIF. Parce que le Chevènement et Cazeneuve, quand on a créé la FIF, c'est une fondation de l'islam de France, mais à vocation culturelle et intellectuelle. Et ils ont dit, c'est à charge pour le CFCM de créer une fondation qui se spécialiserait dans le culte seulement.
On a déjà les statuts de la foi, le fond des œuvres de l'islam. Parce qu'on ne veut pas utiliser le mot fondation quand il s'agit du culte. Eh bien, elle est bloquée par le président de vivre de l'islam. Mais qui, en tant que responsable de la mosquée de Paris, il est le premier concerné par une fondation ou un fonds chargé de financer le culte. Eh bien, il y renonce. Parce qu'il a la haine de Khaled Bachir qu'il a battu à plate couture à l'élection de la fiche, et il mène une campagne inouïe dans les ministères où on veut bien l'accueillir, où il va jusqu'à demander qu'on soit prononcée la dissolution de la fiche, avec comme argument, j'ai créé le Conseil des sciences et de la culture de la Grande Mosquée de Paris, où il a fait venir tout le staff de la de vivre de l'islam, qui ont contribué pendant ces dernières années à désislamiser cette émission. Cette émission, oui. Et lui, il veut parler de l'arithmétique musulmane, c'est très bien. Jabbar ne connaît que ça, d'ailleurs. Jabbar est accusé de plagiat, d'avoir plagié Fouad Chiskine, le Turc cité à Francfort, d'avoir plagié Rojdi Rached, le meilleur spécialiste des sciences NRS, où il n'a pas pu se faire recruter. Tout comme Mme Karima Berger, qui sévit déjà à vivre l'islam, mais qui révèle, j'ai dit que la direction fantoche de la mosquée a mis à sa disposition une caisse noire, et elle invite les gens en leur disant que du temps de Boubacar, il ne se passait rien du tout, ce qui est faux. Boubacar lui-même admettait qu'il ne pouvait pas diriger la prière, mais il faisait au moins 6 à 7 conférences par an. Il le faisait très bien, il se faisait aider. Je l'ai personnellement aidé quand il a voulu me solliciter. Et là, l'avocat Yon dit, du temps de Boubacar, c'était la mort culturelle, c'est totalement faux. En Karima Berger, elle vient de prononcer une conférence sur Isabelle Eperard, où elle a été, les auditeurs instruits, parce que moi j'ai enseigné Isabelle Eperard. Mes étudiants découvrent le plagiat très rapidement. Elle n'a pas cité pendant 2 heures de conférence Edmond Charleroux, qui est la meilleure spécialiste d'Isabelle Eperard. Elle a écrit Désir d'Orient, qui est un livre excellent. Et quand on parle du sujet sans citer le meilleur livre, ça soulève les soupçons de plagiat. Et vérification faite, elle n'a fait que plagier Edmond Charleroux, l'épouse de Gaston Defer. Et comme Leïla Anwar a plagié Madame Eva de Vitré, quand elle parle de Jalaluddin Rumi, la meilleure spécialiste en Europe de Jalaluddin Rumi et du Mesnaoui, ça s'appelait Madame Eva de Vitré-Mehrovitch, qui était convertie à l'islam. Or, Leïla Anwar parle depuis 12-15 ans du Mesnaoui, sans jamais citer Madame Eva, et c'est ce qui a permis de vérifier qu'elle ne faisait que la plagier. Et avec ça, il veut supplanter. Avec des gens, des falsificateurs comme ça, il veut avoir la peau de Khaled. Il dit la FIF, on n'en a pas besoin, puisque Jabbar, Leïla Anwar, Karima Berger et quelques autres vont sortir la mosquée de l'obscurité vers la lumière. C'est totalement faux. Alors, depuis le 11 janvier, on a une campagne de propagande inouïe, mais avec des moyens archaïques. Avec les 15 millions qu'on verse au Khaban, ça prouve qu'on n'est pas capable de faire passer une libre opinion dans le monde, les selfies, les mensonges. Je souhaite vous exposer 2 noms et je souhaite avoir votre avis sur leur relation avec l'avocat Hafiz. Comment vous jugez ou comment vous évaluez la relation entre le président actuel du CFCM, Moussaoui, le Marocain Mohamed Moussaoui, et son vice-président Hafiz, et aussi entre M. Hafiz et M. Sifaoui? Bon, d'abord, il faut remarquer que l'absence de Moussaoui à la mosquée la semaine dernière, la visite ministérielle a été très commentée. Pourquoi on ne l'invite pas? Alors que c'est lui officiellement le président de CFCM. Pour le moment, c'est le recteur Fantoche qui a besoin de Moussaoui. Moussaoui, quand
l'État veut solliciter l'avis des musulmans, il s'adresse au président du CFCM. Et c'est à ce titre qu'il a imploré pour qu'il l'amène chez Castex, le Premier ministre. Le Castex a voulu voir Moussaoui, l'autre l'a imploré pour qu'il dise, voilà, je suis reconnu par l'État. Son illégitimité est pathétique. Et le moindre signe, il l'exploite, il l'amplifie pour dire, voilà, je ne suis pas aussi illégitime puisque je sais bien me tenir dans le bureau du Premier ministre. Or, c'est quand même Moussaoui qui a fait sortir le dossier de l'actuel recteur comme avocat du Polisario. Il va barrer la route de la présidence du CFCM il y a 2 ou 3 mandats. Maintenant, avec Sifaoui, sa relation avec l'avocat est très ancienne parce que Sifaoui était le protégé du colonel des restes à l'ambassade. Quand il est arrivé, il était chargé d'aller infiltrer les officiers libres, les dissidents des services de renseignement algériens qui étaient à Londres. Il a commencé par proposer ses services à Gèze, François Gèze, le directeur de l'armée, à écrire le livre du sous-lieutenant Souadia, La sale guerre, parce que l'autre ne sait pas écrire. Et comme il n'est pas très futé, plusieurs fois par semaine, il disait « Quand est-ce que vous allez me mettre en rapport avec les officiers libres ?» Ils se sont aperçus qu'ils voulaient aller les infiltrer, ils l'ont renvoyé. Et depuis cette époque-là, il est l'ami, entre guillemets, c'est une amitié due au même protecteur, c'est tout. Or, depuis nos émissions, on a reçu une pluie d'informations, peut-être approximatives, peut-être parfois fausses, mais souvent vraies. Une de ces informations nous apprend que Sifaoui est payé à 3 000 euros par la mosquée depuis le mois de décembre, et on a convaincu Dalil Boubacar d'accepter cette rémunération avec la promesse du bien en aide pour l'écriture de ses mémoires. Moi, je souhaite bien du plaisir à Dalil Boubacar d'écrire ses mémoires. Il va nous expliquer comment il a obéi à 4 ou 5 colonels non pratiquants, voire alcooliques. Alors, je vois pas comment, peut-être qu'il va mettre de l'ordre du côté français, même si c'est pas un littéraire. Sifaoui vit de dénonciation. On a révélé des malversations à la société d'auto-entrepreneurs qu'il a créé, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme. Et puis, la qualité de la relation Sifaoui avec l'actuel recteur, qui n'était que l'avocat forfaitaire de la société Gahabi. Et quand le président de Paris 1 a sollicité la coopération de l'Institut Razali pour des sessions de conférences co-organisées avec Paris 1 sur la radicalisation et déradicalisation. Or, sans consulter la direction de l'Institut Razali, l'avocat a envoyé son ami Sifaoui, ce qui a provoqué un tollé parmi les chercheurs et enseignants qui ont protesté auprès du président Haddad, et Haddad n'a pas trouvé d'autre solution que d'annuler cette tentative de le faire rémunérer par Paris 1. Il y aurait eu ce contrat signé, accepté par Dalil, peut-être pas signé, en lui promettant qu'il va l'aider à rédiger ses mémoires. Les gens bien renseignés de la mosquée disent que c'est lui qui lui écrit tous les textes plus ou moins publiables, parce que son premier jet n'est pas publiable, le recteur actuel. Bah écoutez, espérons que le ciel sera plus clair sur cette grande mosquée de Paris, parce que jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a pas mal d'anomalies, hein, et beaucoup de protestations. Et avec l'arrivée d'un nouveau ambassadeur algérien, je crois, il est arrivé, je crois, il va pas tarder d'arriver, espérons que la relation entre l'Alger et la grande mosquée de Paris soit d'une manière direct ou indirect, clair et net, parce que il y a le flou qui règne, hein, jusqu'à ce jour, et on aimerait bien tout simplement voir un retour à l'apaisement au sein de cette grande mosquée. Monsieur Sadr, c'est un point que j'ai oublié, oui, qui est tout à l'honneur de Gérald Darmanin. À mon avis, les fantômes de la mosquée se trompent sur sa bienveillance, sa courtoisie républicaine. Il ne faut pas oublier que l'institut fictif et Pompe Afrique de Béchari, quand il a été délocalisé de Lille à Tourcoing,
moyennant 950 000 euros versés par les Géoliens, a été fermée par le maire de la commune, Exactement. qui n'est autre que Gérald Darmanin. Darmanin, ouais. Oui, il a fait un très bon usage du droit de préemption. Alors, quelqu'un qui est aussi vigilant, à mon avis, ne peut pas être induit en erreur par les fantoches de la mosquée de Paris. Et se méprennent sur le sens de sa visite. Il vaut mieux qu'il y ait une concertation entre les autorités laïques et les instances religieuses, mais pas dans le sens que souhaitent ces types-là, c'est-à-dire, voilà, j'ai une photo avec le ministre, donc je suis légitime, et vous n'avez qu'à vous écraser. C'est ça le raisonnement de l'avocat. Aussi, puisqu'on n'a pas. Quand on résume les méfaits et les agissements du caporal, il faut rappeler qu'il a giflé Hanan Karimi, qui a été mon étudiante. Il a giflé un vendredi et qui a été recrutée dans un laboratoire de recherche à Strasbourg, où elle va se faire un malin plaisir de faire connaître les psiges des imams détachés, la violence et la muflerie de ce monsieur. Le deuxième point qu'il faut citer dès qu'on cite le nom du caporal, c'est le faux diplôme signé pour son épouse. Voilà, et je pense que les fantoches de la mosquée ont essayé de profiter des nouveaux venus du ministère de l'Intérieur, comme ils ont essayé de profiter du flottement du pouvoir en Algérie après le 12 décembre, mais le pouvoir algérien s'est ressaisi, et un État millénaire et démocratique comme l'État français peut se ressaisir aussi rapidement, sinon plus. Sans aucun doute, sans aucun doute, on sait pertinemment que cette affaire n'est pas encore finie. Merci infiniment, M. Sadr Selam, l'historien de l'islam contemporain, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.